balade. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mazoran Mitsu. Aujourd'hui, sortie sur le terrain privé avec une patrouille. On est dans le 44, à côté de chez nous, à une heure de route. Et il y a pas mal de trucs à faire. Ça bouge. C'est pas pour l'eau. C'est pour les... Ça a été gratté depuis. Et merci les câbles pour les branches. Ah, il y a du monde par ici. Oula, il y a du plantage par ici. C'est pour Stéphane. Bah là, va falloir se salir les pieds. Ah, c'est bon. Putain, avant c'est pas qui dépannait tout le monde, hein. Maintenant c'est pas qui fait dépanner. C'est un con, hein. Je peux le laisser là. Ouais. Encore un peu. Là. Encore, hein. Petit à petit. Il est lourd. Il est lourd. Deux tonnes sans, mon coco. Hein.
Si, les feux. Les feux. Les deux. Donc là, le TD6 a été sorti. Le Note, il est un petit peu chaud là, donc il a aéré. J'aère le moteur vite fait pour que ça refroidisse, et puis après je me jette dedans. Parce qu'en essayant de le sortir, ça va chauffer un peu avec le poids. Suivant. Ouais. Je filme. Non mais elle arrive, mais restez pas trop loin, il refroidit encore un petit peu là. Y a pas de soucis. Sacré métier de caméraman. Hein. Allez, c'est reparti. Bon, c'est bien passé. Merci les 35 et plus 10. Alors que le 61 devant, il est en. Il n'y a pas de rehausse, il est en pneu. Il a pneu crampon, mais je crois que c'est une taille d'origine. Donc, la chauffe, on m'a dit en gros, vaut mieux laisser tourner le moteur pour le laisser refroidir vu qu'il n'y a pas des spales électriques. Ouais, ici j'aime bien. Convoi de patrouille. C'est clair. Toute génération. Ouais. 2GR, un Baroud, un 61. Il va faire tester le nouveau passage. Fait chaud déjà. Ouais, je vais rebaisser la fenêtre. C'était pour la boue en fait. Ouais, mais là, il fait 30 degrés. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'il y a un devant slip. C'est parce qu'il fait quand même 30 degrés. Alors, du coup. Sans réo se passe là où des patrouilles plus 10 passent avec des têtes en 12 et inter. On attend que le brouillard s'enlève la poussière. Allez go. Patrol posé, poser le châssis. En même temps, il n'a pas de rehausse, donc ça pose le ventre partout.
champ. Ça appartient à un agriculteur et en fait toute la partie qui est un peu vallonnée comme ça entre les champs, il peut pas faire ses cultures dessus. Donc il en a fait un terrain privé pour le 4x4, ce qui fait qu'on a un terrain avec de bonnes montées. En partie basse, on a un ruisseau, donc une partie un petit peu mode. Et sinon, il y a des petites parties forêt aussi, avec des petits passages assez serrés. Là c'est technique là. J'arrive là, c'est pas normal ça. On passe la souche, la roue elle glisse de côté. Dessus, ouais. Hop, comme ça. Moi, ce que j'ai dû faire, ma roue elle était dessus. Oh, je glisse fais... le côté oh, là, putain, non ouais. Elle a dit. Elle dit, j'aime pas ça. Je dis, attends, on a pas redressé. Là, prends-la ici, là. Tu viens manger ta roue avant. Il y a ici, mais il faut que tu mettes une bonne impulsion. Ouais. Voilà, et une fois que t'as pris l'impulsion, hop, tu coupes. Ça va faire rebondir et puis après tu viens. Ouais. Au pire, tu auras le droit de mettre ton blocage, mais pas pour l'instant. Il a le blocage non, ça marche pas. Ah merde, tu veux ouais. Bah écoute. Vas-y très doucement là. Envoie tes roues à descendre. Ouais, tu peux descendre là. Vas-y. Tu peux finir à brasser, bref, à finir. Je crois qu'on lui a bien expliqué. Moi, je vais lui mettre à l'ombre. Allez, on va explorer le lac.
c'est reparti. Apparemment, ils ont trouvé un petit coin sympa là, bien boueux. On va aller voir ça. Devant nous, on a un Hyundai Galloper sur des plombs de pétrole. Ouais. Du coup, Galloper modifié, le moteur 99 chevaux. Le Gallotroll. Gallotroll. Première sortie pour ce Gallotroll. Et il a cassé la fixation de la barre panard au châssis avec la modification coupon avant pour remplacer les triangles. Et là tout à l'heure, à cause du débattement, il a cassé aussi une rotule de direction. Première sortie, c'est là où il voit s'il y a des pièces qui cassent. Ils sont gênants ces gens. Encore un peu penché. Vas-y! Derrière lui.
Voilà, week-end 4x4 terminé. On va laver les véhicules un peu là. Très bon week-end qui se termine. On gonfle les pneus.